800 mètres droit devant. Au 2,90. Alors on fonce droit devant nous. Négatif, négatif. Un groupe par le flanc de la colline, l'autre par le marais. Face, tu prends la colline. Pile le marais. Envoie ta putain de pièce. Rendez-vous à Calo. Ok. Delta 2, donnez votre position. Alors, Gibson? Pas de réponse. Delta 1, Delta 2, donnez votre position. Contact terminé! Allez vite! Main sur la tête, à nous! À nous! Allez, sortez de là! Vite, vite, vite! À nous! À nous! Plus vite, plus vite! À nous! Combien de brigades êtes-vous dans le coin? C'est quoi ton unité? Qu'est-ce que vous foutez là? Tuan, viens, amène-toi! Parle à cette bande d'enfoirés! Demande-leur combien ils sont! Quelle est leur unité? Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font dans cette zone? Réponds-moi, t'entends, bordel! Deux, un actuel. Où êtes-vous? Et d'ordonner à ces hommes de lâcher Rogers. Je veux qu'ils rompent le contact et qu'ils replient ces hommes en hors du canon. Je plaisante pas. Je veux que ces hommes lâchent Rogers et Otro. Je vais te montrer que je déconne pas. Ou tu dis à tes hommes de lâcher Rogers maintenant à la seconde, ou je bute ton putain de radio et toi après.
sauveur! Dernier avertissement! Tant mieux! Dis à tes hommes de lâcher Hodges maintenant! S'il leur donne l'ordre, il est libre, il a ma parole. Si tu refuses, je te descends sur place. Envoie-nous une belle bleue si tu es toujours en vie. T'as un sursis, petit vénard, tu m'entends? Tu restes encore en scène. Tu ne mourras pas. J'ai joué les prolongations. Mis son beau canon. Attention, faites place. J'imagine que la tournée est pour moi. Super classe. Repos. Votre attention. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir pour le colonel Hayes Hodges. Le colonel arrête sa carrière après 32 années d'un service tout à fait remarquable. Arrêtez, silence. Colonel, on a un cadeau pour vous et une surprise. Alors inutile de vous défiler, venez me rejoindre. Content de te voir. Ben, j'espère bien, parce que j'ai fait presque le tour du monde pour être là. Hey, grimpe là-dessus. Ton épée, colonel. Tu connais déjà son histoire. Le lieutenant des Marines, Presley O'Banion, battit les pirates berbères sur les côtes de Tripoli en 1805. En guise de reconnaissance, le pacha lui offrit l'épée Mamelouk. Et depuis, les officiers des Marines la portent. C'est le symbole du guerrier. Et tu es un guerrier. Le meilleur avec qui j'ai jamais combattu. Cet homme a passé 28 ans assis derrière son bureau, mais ceci non pas parce qu'il le voulait, non. Il connaît le combat.
Il a ça dans le sang. Je n'ai plus de bataille à mener, plus de procès à perdre. Alors j'irai peut-être enseigner à l'école militaire. Et dans un effort concerté, j'irai reconnaître les restaurants locaux pour découvrir enfin ce que les civils mangent. Et naturellement, j'ai l'intention de continuer à servir mon pays en décimant les truites sauvages de la plupart des États du Sud avec mon célèbre lancer. C'est mon programme. Viens, on va faire un tour. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment va ton fils, le jeune Sir Dwayne Hodges? Oh, oui, il est studieux à faire peur. Je ne le vois jamais. Tu devrais t'en mêler. Ouais. J'ai eu mon affectation. Laquelle? J'ai le commandement du 24e commando de Marines. Avec la possibilité d'opération spéciale. Félicitations. Bravo. Ouais, pas mal. Tout ce que j'ai à faire, c'est de raboyer dessus et les sortir en mer. Ah, c'est génial. T'inquiète pas, tu ne rates rien. Les règles du jeu ont bien changé. Ni ami, ni ennemi, ni front, ni arrière. Ni victoire, ni défaite, ni papa, ni maman. On est orphelins là-bas. C'est marrant, tu sais. Un type sort d'un marais, il finit derrière un bureau, un autre grimpe sur une colline et il est toujours en mission et tout ça à cause d'un foutu jeu de pile ou face, tu te rends compte? C'est marrant. Tes états de service sont excellents. Il faudrait être malade pour dire le contraire. Tu aurais dû avoir un commandement. Oui. Faisons route vers la mer Rouge, le golfe d'Aden. Cet ordre émane de la 2e division du général Perry. L'ambassade américaine du Yémen est assiégée par un groupe de manifestants. Aucune hostilité, mais ils sont assez nombreux pour inquiéter leur gouvernement qui a retiré ses forces de l'ordre. Le 24e commando de Marines leur offrira un surcroît de sécurité. On va jouer les nounous. Merci. Montrez seulement que vous êtes là. Si vous voyez que les choses dérapent, alors il vous faudra évacuer l'ambassadeur et sa famille. Je vais vous faire un topo de tout ça. Là, c'est votre zone d'atterrissage logique. Les Marines de l'ambassade ont dit qu'on peut entrer par l'arrière du bâtiment. Là, vous avez des escaliers où vous déploierez les hommes vers le toit, et ici, vous disposerez vos sentinelles. Je mènerai moi-même mes hommes en douceur. Une patrouille antiterroriste. Mettez les autres en état d'alerte. Je suis tout à fait d'accord. D'attirer l'attention pour que quelqu'un les écoute. Vous pouvez vous dénoncer.
analystes de la sécurité demandent une estimation de la situation. Une estimation? On fiche le camp d'ici, voilà quelle est l'estimation. La 6e flotte des marines est en route, monsieur. S'il croit que je vais résister cette fois, il se trompe. Ça va rapidement empirer. Dites à ma femme qu'elle prenne les effets dont elle a besoin. Et nous rentrons. Dois-je signaler qu'on est prêt à évacuer, monsieur? Demandez-leur où sont ces fichus hélicoptères! L'ambassadeur veut savoir où sont les hélicoptères. Est-ce que vous me recevez? Où sont les hélicoptères? Avancez, avancez!
la voie libre. Qui est Madame Mouraine? C'est moi, je suis Madame Mouraine. Où est l'ambassadeur? Là, dans le bureau. Sommes-nous évacués? Les hélicos sont dehors, madame, mais c'est à l'ambassade de décider. Évitez les fenêtres. Monsieur l'ambassadeur? Colonel, je vous en prie! Aidez-nous, mon Dieu! Les hélicoptères sont là, pourquoi avez-vous mis tout ce temps? On est paré pour l'évacuation, sauf si vous tenez à rester à l'ambassade. Non, je pars! Ah, il y a des heures qu'on vous a appelé! Bon, écoutez, venez vers moi, restez calme et rejoignez-moi. C'est rien, calmez-vous, venez vers moi, on reste embaissé. On n'est pas obligé de rester ici comme des cibles immobiles! Calmez-vous, des cibles immobiles. Monsieur, suivez le sergent Bell! Redman, Six Blue,
Actuel négatif, négatif. Sachez que j'ai des femmes et des enfants dans ma ligne de mire. J'ai aussi des snipers dans le bâtiment à 400 mètres. Vous avez reçu, à vous. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à obéir à cet ordre pour cause des soucis, Capitaine Lee? Colonel, l'ordre est-il d'ouvrir le feu sur la foule? À vous. Oui, nom de Dieu de mer, balayez-moi ces pourritures. C'est reçu. À l'attaque, à l'attaque. Ouvrez le feu, allez. Il peut encore y avoir des snipers dans le coin. Cessez le feu! Cessez le feu, nom de Dieu, compris! J'ai dit cessez le feu, c'est un ordre, cessez le feu! Il y a sûrement des snipers, alors à couvert! Baissez-vous! Sergent Mac? Colonel? Contactez tous nos postes. Mission accomplie. Commencez l'évacuation. D'abord les morts et les blessés. À vos ordres. À tous les postes. Ici Redman. Mission accomplie. Emmenez les morts et les blessés à la zone d'atterrissage. Terminé. L'enquête du FBI a montré que les impacts de balles sur le mur de l'ambassade venaient de l'autre côté de la place, directement des snipers. A-t-on trouvé des armes ou des munitions parmi les morts et les blessés? Non, monsieur. Rien du tout. Mais d'après les services secrets, il pourrait s'agir d'une opération terroriste. On a des preuves? J'ai là une cassette provenant du système de surveillance de l'ambassade. Vous voulez que je vous la passe? Non, je ne veux voir aucune cassette comme je ne veux pas entendre parler de douilles de balles dans un bâtiment, parce que j'ai 83 morts sur le dos. Sans armes. Des femmes, des enfants, des vieillards, une bonne centaine d'autres sérieusement blessés. Et en plus, j'ai une crise internationale qui prend des putains de proportions. Bill, vous étiez au courant des rapports réguliers nous prévenant d'un complot terroriste contre l'ambassade. Cette manifestation était programmée comme chaque semaine. Réglée comme du papier à musique, le truc bidon habituel sur notre présence dans le Golfe. Vous avez vu ces photos? Oui, je suppose bien sûr que vous les avez vues, puisqu'elles font la première page de toute la presse internationale. L'ennui n'est pas que le monde entier veuille nous tenir pour responsables, nous sommes responsables. Et on ne peut même pas prétendre qu'on se protégeait. Ce qui ne nous exempte pas de nos responsabilités, Monsieur Sokal. Nous avons envoyé le colonel Childers et la mission a fait chou blanc. Mais on ne peut crier à haut sur l'homme qui a exécuté ses ordres et ignorer les personnes qui lui ont donné ses ordres. Childers a ordonné la tuerie d'innocents, des femmes et des enfants. Que ce soit clair entre nous dès maintenant. Je vais vous dire ce qui est clair. Là-bas, nous avons perdu 3 Marines. Ils ont eu 83 morts. Allons-nous entrer en guerre avec le Yémen en prime? On se couvre dans tout le Moyen-Orient dès maintenant, général. Et par la faute de votre risque tout de Marines et de ses erreurs, nous avons le risque réel de perdre nos ambassades à Riyad, en Jordanie et en Égypte. Et nous risquons de perdre notre représentation dans chaque état modéré de cette région. Maintenant, ils vont nous dire « protégez-vous ». Et cette menace sera si forte que nous enverrons des Marines au même endroit. Seulement là, le compte de nos Marines morts aura nettement dépassé le chiffre 3. Je vois où vous voulez en venir, Monsieur Sokal. Avez-vous encore besoin de moi aujourd'hui? Non. Non, ça va, Général, merci. Bonne journée, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous ne voulez pas la regarder? Personne ne la regardera. Pourquoi les États-Unis devraient-ils être responsables des actes d'une seule personne? Supposez que la foule ait eu des armes, et que sur la cassette, on voit qu'ils ont ouvert le feu en premier. Il aurait pu tirer en l'air, ce crétin! Il ne savait pas qu'il était au Moyen-Orient? Il aurait pu aussi isoler les snipers et surtout éviter la confrontation. Il aurait pu faire des milliers de choses. Au lieu de ça, il bousille une confiance fragile et met ses hommes en danger. Fais chier, ce connard! Oubliez cette cassette.
Je refuse de la regarder, d'en parler dans mon témoignage. Elle n'a jamais existé. Général ? Oui. Ensuite, vous me le donnerez. Général, colonel Childers au rapport, général. Excusez-nous un moment, Skip. Oui, général. Colonel, on m'a chargé de vous informer que vous êtes accusé de... Vous connaissez la procédure. Voici les chefs d'accusation de l'instruction. Vous allez passer en cour martiale. Vous avez violé 3 articles du code militaire, depuis le trouble à l'ordre public jusqu'à la conduite inconvenante, mais le plus lourd, 83 cas de violation de l'article 188, meurtre. Il s'agit d'un ordre illégal que vous avez donné en disant à vos marines d'ouvrir le feu sur un groupe de civils innocents. De meurtre, général ? Grâce à mon grade, j'ai réussi à empêcher cette connerie de suivre le circuit habituel. Signez-la. Les initiales ici. Vous n'êtes pas du genre à vous défiler. Vous échapperez donc à la détention provisoire. Cette cour martiale se réunira dans les 8 jours. Cet ordre émane directement de la Maison Blanche. Voulez-vous que j'appelle Bob Bennett ou un de ses confrères ? Ou un avocat de chez nous ? Terry, nous sommes amis intimes depuis 20 ans. Alors je vous en prie, dites-moi ce qui s'est passé au Yémen ce jour-là. J'ai perdu des Marines. La foule était hostile et a ouvert le feu sur nous. En premier, général. Sachez que j'ai tout fait pour qu'on vous épargne ce procès. Les dés sont jetés maintenant, colonel. Très délicat. Ça remonte à quand, la fois où tu en as pris un ? 2 ans. J'ai besoin de ton aide. Ouais, tout ce que tu voudras. Je peux prendre position, je peux aussi témoigner, dis-moi ce que tu veux. Non, t'as pas compris ce que je te demandais. Je veux que tu sois mon avocat. Si tu veux un bon conseil, trouve-t'en un meilleur que moi. Je suis pas à la hauteur. 2 nuits blanches et je suis mort. Il faut que tu prennes un jeune loup de Washington. Je n'ai pas besoin d'un pilier de bar qui n'est jamais allé combattre. J'ai besoin d'un homme sur qui on a tiré. Oh oui. On m'a tiré dessus. Voilà ce que je suis. Un Marines blessé. Je peux même dire que je suis que ça et seulement ça. Non, c'est vrai, je suis également un piètre avocat. Je suis vraiment un avocat nul. Le gouvernement va te tomber dessus avec tous les moyens imaginables. Major, Bill Sokal, ravi de vous rencontrer. Venez entrer. Je vais vous présenter. Messieurs, voici le major Hank Bix. Il sera l'avocat de l'accusation à la cour martiale. Les Marines sont offerts au major des études de droit à Stanford et il leur doit quelques années avant d'aller conquérir le monde. Je pense que vous connaissez le général Lorie. Je vous présente le chef d'état-major des armées, le général West. Le secrétaire d'état à la défense, monsieur Wyatt. Mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement. D'après ce que m'a dit notre membre du NSC ainsi que le secrétaire d'état, j'en déduis que nous avons un procès dans 2 semaines, n'est-ce pas un peu rapide ? Je crois que tout le monde dans cette pièce est tout à fait d'avis que dans l'intérêt de la nation, on mène rapidement ce procès. L'instruction du dossier, conformément à l'article 32, est achevée et détaillée. Tout semble aboutir à une même conclusion. Est-ce qu'il s'est trouvé un avocat ? Il a choisi un avocat militaire, monsieur. Il s'agit du colonel Hayes Hodges, de la 2e division de Marines, le jeune. Est-il lié au général Lawrence Hodges ? C'est son fils. Lawrence Hodges a été un des officiers les plus remarquables du pays. Que sait-on exactement sur le colonel Hodges ? Il a été sérieusement blessé au Vietnam, a fait son droit à Georgetown avant de devenir cynique. C'est bien cela, major ? Il est sorti 67e de sa promotion à Georgetown. Il traite très peu de dossiers, il en gagne encore moins.
Il a subi un divorce assez pénible et l'alcool lui a posé des problèmes. Il prend sa retraite dans 2 semaines. Oh, Seigneur. Est-on sûr de l'avoir, ce colonel ? Si vous le permettez, j'aimerais ajouter ceci. Je ne travaille pas à la tâche. J'ai accepté cette mission parce que je crois aux valeurs que défend l'État. Je ne vais pas truquer les cartes contre Childers. Je ne l'attaquerai que sur des preuves tangibles. Bonne nouvelle. Avant que je change d'avis, casse-toi! Wilson et Down, occupez-vous de cela. On les met avec les nôtres? On dirait que t'as un billet de retour, mon pote. Sergent, prends les 2 hommes. Tobib! C'est des civières, on va en avoir besoin. Allez, grouillez-vous! Allez, allez! Il y a d'autres survivants. Maman. Oh, chérie, que je suis heureuse de te voir. Je craignais que tu ne viennes pas. Je te trouve en pleine forme. Alors, merci. Comment se passe la retraite? Ah, c'est bon. Ah, tu as l'air d'aller très bien. Merci. Tu viens voir ton père? Il est là. Et la famille aussi? Je te suis. Bonjour, Général. Ravi que tu sois là. Merci, Général. Comment allez-vous? Hé, garçon. Hé, hey, toi. Tu te souviens de moi? Tu sais, le vieux qui te ressemble. On se connaît? Ouais. Ah oui, votre visage ne m'est pas inconnu. Je te donne un indice, j'y étais marié avec ta mère pendant 5 minutes. Vous en êtes sûr? Ouais. C'est drôle, je mens. Il est coupable ou non? Général. Ton copain, le colonel Childers. Coupable de quoi? Alors, voyons, Rice. Tu as servi avec lui. Est-il toujours le chien enragé dont on a tous entendu parler? Je n'ai aucun commentaire, Général. Papa, on est en famille, tu as quand même le droit de te laisser aller. Tu sais ce qu'on disait à l'Académie Navale. Même si tu ne te crois pas responsable, ça a mal tourné et tu y étais. Et depuis quand ne fais-tu aucun commentaire? Depuis que Childers veut que je le défende. Quoi? Attends, attends, dis-moi que tu plaisantes. Non. Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il me l'a demandé, je lui dois ça. Génial. Il représente tout ce qui cloche dans l'armée. Le bon sens vient de la seule personne de la famille qui ait dédaigné de servir son pays dans l'armée. Childers a dû perdre les pédales, ça arrive parfois. Je l'ai vu à plusieurs reprises, et toi également. Merci à tous de m'avoir rappelé pourquoi il existe la présomption d'innocence aux États-Unis d'Amérique. Ah, tu te prends pour Abraham Lincoln, c'est pas un argument, c'est un meurtrier, il a tué des femmes et des enfants. T'as entendu ça à la télévision? Oui. Je l'ai lu dans la presse, c'est dans tous les médias. C'est seulement l'anniversaire des parents. Refuse cette affaire. Ce type a noirci la réputation des Marines. Il nous a ramené 20 ans en arrière. C'est ainsi que tu veux qu'on se souvienne de toi? Je n'ai rien à lui refuser, il m'a sauvé la vie. C'est une attitude qui se comprend aisément. Mais je ne crois pas qu'on paye ses dettes en plongeant sur une grenade d'une façon insensée. Non, je pense sincèrement que ce type devrait prendre le meilleur avocat du pays. Tu veux dire meilleur que moi? C'est un vrai Marines. Je veux dire, s'ils osent lui faire un truc pareil, le laisser tomber et le trahir, alors ils le feront à n'importe qui. Oublie qu'il est mon ami. Ils le feront à n'importe qui. Ce qui veut dire que tes médailles et tes citations ne valent pas un pet de lapin s'ils s'en prennent à toi.
Deux de ces hommes témoigneront que rien ne le forçait à donner l'ordre d'ouvrir le feu. Et personne n'a fait état de la présence d'armes parmi les manifestants. Ces tests psychologiques sont un désastre. A-t-on trouvé des films à l'ambassade, des pellicules, des bandes vidéo, je ne sais pas, moi, ce genre de conneries? Non, j'ai examiné les pièces à conviction. L'ambassade a eu pas mal de dégâts. Presque tout a été détruit. Terry, tu connais le capitaine Chandler, il nous aide à instruire ton dossier. Ravi de vous revoir, colonel Childers. Bon, d'abord, on a examiné les rapports d'enquête relatifs à l'article 32, ceux du département d'État sur le Yémen. Le major Biggs vous a déjà fait passer des tests psy avec l'orthobib. Moi, je vous ai pris un rendez-vous avec le nôtre. Non. Pardon ? Plus de questions avec plusieurs réponses possibles sur l'estime de soi. On a les rapports d'aptitude au combat, ça ira, oublie les tests psy. Non, attendez, c'est une erreur, colonel. Écoutez... Je me suis engagé à 18 ans dans le corps des Marines. J'ai tenu à être affecté dans l'infanterie. J'ai tenu à aller au Vietnam. Terry. Et je vis pour le privilège de commander des troupes. C'est le plus grand honneur qu'un Américain n'aura jamais. Terry. Savez-vous combien de Noël et d'anniversaires j'ai loupé à crapahuter comme un dingue dans la jungle ou dans le désert pour que vous puissiez vous entraîner à la guerre? Childers, essaie de remettre de l'ordre dans ton esprit. Ceux qui siégeront à la cour martiale sont peut-être des types qui ont passé un jour aux Grenadines ou peut-être deux jours au Koweït, ou bien des petits privilégiés qui n'ont jamais approché une zone de combat. Il y aura même des types comme Chandler qui se trouvent là devant toi et tu te défendras devant eux. On n'a trouvé personne pour vous appuyer, colonel. C'est parce que tous mes témoins sont déjà morts. Que s'est-il passé exactement? Il a craqué, disjoncté à mort. Excellent, on le fera craquer à la barre. Ça n'arrive pas sans raison. Fouillons le passé du colonel Childers. Interrogeons chaque Marines avec lequel il a servi. Je pense que ça s'est déjà produit avant. Il nous faut nous montrer prudents. Childers est le guerrier des guerriers. La Navy Cross, deux Silver Stars pour sang-froid au combat. Ni femme, ni enfant, il n'a que l'armée. C'était le meilleur. C'est pour ça qu'on l'a envoyé. Le colonel n'est pas jugé pour ses excellents états de service, mais pour ce qu'il a fait du haut des murs au Yémen. Major, personne n'ose le dire. Mais je crois qu'on veut tous ici que ça serve d'exemple. Alors allons-y et montrons au monde qu'on ne plaisante pas. Le premier grief plaide pour la peine de mort. Alors il n'y a pas à hésiter. Non, plus de mort. Je veillerai à ce qu'il n'ait plus de commandement, je le mettrai en prison, mais je ne demanderai pas la mort pour quelqu'un qui a servi si honorablement son pays. Le sujet est clos. Nous allons souligner son état d'esprit. Nous allons prouver qu'il est parti avec l'intention de tuer, ce qui est loin d'être simple. Soit un homme est accusé de meurtre, soit c'est un héros, et la différence tient parfois à peu de choses. Notre affaire s'articule comme ceci. Childers reçoit comme instruction qu'une manifestation organisée légalement devant notre ambassade au Yémen s'échauffe. Il doit assurer la sécurité ou organiser une évacuation. Il n'y a pas eu de violence avant son arrivée sur les lieux. Une fois qu'il y est, l'ambassadeur Moraine lui signifie que rien ne justifie une évacuation, ce dont Childers ne tient pas compte. Il y avait des tirs de snipers. Ils essuient les tirs de snipers, se trouvant de l'autre côté de la rue. Childers répond à son tour en tirant sur une foule désarmée devant notre ambassade. Une foule de femmes et d'enfants. Il s'est simplement trompé de cible. Bien sûr, c'est très simple. Le meurtre peut vraisemblablement mener à la peine de mort. Conduite inconvenante d'un officier, au maximum c'est la destitution avec renvoi à la vie civile, perte de salaire et de pension, et une année de réclusion ferme. Bon, et pour trouble à l'ordre public? C'est un délit mineur. Cela signifie participer à un acte de nature violente ou agitée, privant ainsi la communauté de la paix et de la tranquillité auxquelles elle a droit. Militairement, c'est l'équivalent d'un délit civil. Rien d'important. Non, je ne réponds à aucune provocation. Et je suis en retard. J'ai le temps. Tu n'es qu'un tueur de femmes et d'enfants. Va te faire foutre. T'es qui, espèce de connard, pour cracher sur cet uniforme, hein? Vous jouez au blackjack, colonel? Pas vraiment. Il n'y a aucun impondérable. Il n'y a que de la statistique. Avec de l'expérience, vous battez votre voisin. En connaissant les cartes tombées, vous cassez la baraque. Et parfois, quoi que vous fassiez, vous perdez à tous les coups. J'ai vu votre homme à la télévision en train de malmener un jeune boutonneux. Comprenez quel genre de pression il est en train de subir, un homme d'une telle envergure. Non, non merci.
Ce n'est qu'une mission de sauvetage qui a mal tourné, rien de plus. Vous êtes au courant qu'on peut demander la peine de mort ? Vous n'êtes pas sérieux. Extrêmement sérieux. De fait, cela a été évoqué. Que pensez-vous qu'il arriverait si un Yéménite tuait 83 Américains ? Il aurait la tête coupée après un procès qui ne durerait qu'une journée. Asseyez-vous, colonel. Je vous en prie. Voilà ce que je suggère. Vous plaidez la culpabilité. Ceci permet à la cour de décider de son sort et nous l'aiderons pour la sentence. Soyez explicite. Je ne peux rien vous promettre de précis, mais disons qu'il écopera de 10 ou 15 ans. Il sortira au bout de 7. Major, savez-vous quelle était l'espérance de vie d'un sous-lieutenant lâché en pleine zone de combat au Vietnam en 1968? Je n'ai pas le temps de faire des suppositions, colonel. Pour un cours de statistiques permettant de gagner au blackjack, vous avez trouvé le temps, semble-t-il. Alors jouez le jeu. Mon jeu est de vous dire que votre homme sera déclaré coupable parce qu'il le mérite. J'ai une question à vous poser, colonel. Que s'est-il passé à Kalou? À la bataille de Kalou, au Vietnam, vous étiez avec Childers, dites-moi ce qui a bien pu se passer. Allez vous faire foutre. Voilà ce qui s'est passé à Kalou, Biggs. 2 semaines. L'espérance de vie d'un sous-lieutenant dans une zone de combat au Vietnam, 2 semaines. Général, j'ai besoin de temps pour préparer cette affaire. Aurais-je la permission de partir au Yémen? L'enquête préliminaire conforme à l'article 32 est terminée, elle est exhaustive. Ce désastre s'est passé au Yémen, c'est à plus de 5000 km, j'ai besoin de temps. Colonel, toutes les pièces sont là. On nous les a apportées directement du Yémen et il n'est pas rare de réunir une cour martiale sur des données aussi minces. Il y a peut-être des témoins ou des détails oubliés par les enquêteurs, général. Vous ne croyez pas que le colonel Childers ait le droit à... Rogers. Notre considération, général? Vous pouvez même aller en Chine. Nous avons nos feuilles de route et cette cour martiale ouvrira la séance à 9h lundi dans une semaine, est-ce que c'est clair? Oui, général. Terry! Terry? Childers! Je sais, je sais. Tout va bien, tout va bien. Je sais ce que c'est. Je t'assure, je sais ce que c'est. Est-ce que je peux te laisser avec ça tout seul? Ouais, mais je n'ai aucune envie radicale, rassure-toi. Je pars au Yémen et si je dois te coller le cul à l'hôpital jusqu'à mon retour, je n'hésiterai pas une seconde. C'est inutile, tu peux t'en aller. J'ai ta parole, Terry. Oh, de Dieu! Ils m'ont taxé mon uniforme, ce qui revient au même que de me tuer. T'inquiète pas, tu t'en remettras. Crois-moi. Ils vont pas te tuer, ils suggèrent un compromis. Coupable, tu t'en tires avec 10 ou 15 ans, tu sors au bout de 7. T'en penses quoi? Ils sont résolus à te crucifier. Pour tout un tas de raisons. On accepte et on évite le procès. J'ai fait exactement ce qu'ils m'ont demandé de faire. J'ai perdu des Marines là-bas. Si on me pense coupable de ça, je suis aussi coupable de ce que j'ai fait au combat depuis ces 30 dernières années. Thank you.
Hodges? Capitaine Hastings, je ne suis pas en uniforme et je ne vous salue pas à cause des snipers. Croyez néanmoins que je vous salue intérieurement. Je vous ai obtenu un gilet pare-balles à votre nom. On n'est pas très populaire en ville. Seriez-vous du genre « je sais tout » ? Ma mère me qualifie plutôt de beau parleur. Parfait, dans ce cas, vous pourrez d'autant mieux vous occuper des emmerdes qu'on rencontrera. Allez, en avant. À vos ordres, colonel. J'ai repéré plusieurs personnes qui étaient sur les lieux ce jour-là. On peut commencer demain. Bien. C'est votre hôtel. À 7h demain matin. À vos ordres, colonel. L'ambassade était un palais du 5e siècle. On a pas mal tiré dessus. La nouvelle est dans un bunker hors de la ville, protégé par des kilomètres de barbelés, colonel. Vous voulez que je vous accompagne, colonel ? Négatif. Restez dans le véhicule. On se retrouve à l'hôtel. À vos ordres. Bien, mais...
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. القوات الأمريكية البحرية أطلقت النار على الناس بينما كان هؤلاء فقط يدافعون على أنفسهم. Des marines américains tous armés, ils ont tiré sur les gens de son peuple. En répondant, ils ont seulement fait que se défendre. Veut-il dire que les marines ont tiré les premiers ? Pourquoi a-t-on ordonné à vos policiers de se retirer de l'ambassade le jour de l'émeute ? C'était une manifestation pacifique. Ils n'avaient aucune raison de rester. Après la tuerie, a-t-on retrouvé des armes dans la foule ? بعد القتل هل وجدتم سلاح بحوزة المتظاهرين؟ ابدا اخذنا كل شيء بقي هناك ولم نجد اي سلاح. Non. Ils ont ramassé tout ce qu'ils ont trouvé sur place. Aucune arme. Bonjour, c'est quoi ton nom? Tu comprends ce que je dis? Tu es vraiment très jolie. Katsil! C'est ton nom? Kat? Katsil? Puis-je vous aider? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a perdu sa jambe. Qui êtes-vous? Un avocat américain du corps des Marines. Qu'est-ce qui s'est passé? Un avocat des Marines? Oui. Suivez-moi, je vous prie. Des dispensaires comme celui-ci, il y en a partout en ville. La plupart des gens qui sont là vont mourir. Thank you.
Désirez-vous une boisson? J'en veux un autre! Ouvre-moi cette putain de porte! Pas, qu'est-ce que t'as ? Trouve-toi un autre avocat, sale pourri, t'as pas arrêté de mentir, salaud. J'ai pas trouvé un seul témoin, je n'ai pas trouvé la moindre petite preuve. En tout cas, pas une seule qui aille dans notre sens. T'as manifestement ouvert le feu sur eux, c'était quoi ces gens ? Des bougnoules ? Une bande de rats du désert ? Ou de la vermine jaune ? C'est tout ? Ouais. Relève-toi. Debout. Debout. Regarde-toi, tu pars au Yémen et tout ce que tu réussis à prouver, c'est que t'es toujours un ivrogne. Tu sais où est ton problème? Tu n'as jamais osé affronter ton père, mais là, je peux rien faire pour toi. Faut qu'on arrête, sinon on va finir par se blesser. J'ai commencé à détester d'éprouver ça. C'était pas ta faute. On est dans une foutue merde, mec. Y a pas de tir au but, Hodges. J'ai besoin d'une prolongation. Faites-le entrer. Je voulais m'assurer que nous étions bien d'accord
officieusement. Naturellement, Bill. Vous n'avez vu aucune arme dans cette foule, n'est-ce pas? Bien. Il y a bien eu des coups de feu, mais je ne suis pas certain de l'endroit d'où ils provenaient. Vous voyez, c'est justement là le problème. Parce qu'on ne peut pas aller à la barre en hésitant sur les accusations. En hésitant, Bill? Oui, d'après vous, Childers est bien responsable de cet incident, n'est-ce pas? Je n'étais pas vraiment sur les lieux. Childers m'avait déjà évacué. Il ne faut pas oublier qu'il nous a sauvé la vie, à moi et à ma famille. Tout s'est passé après... L'Amérique doit-elle alors porter le chapeau à sa place? Je crains de ne pas suivre. Les enquêteurs n'ont pas trouvé une seule arme dans la foule. Parce qu'ils ne sont arrivés sur place que le lendemain. Les autorités yéménites ont fait le ménage des lieux, mais malheureusement, on ne peut pas le prouver. De même, donc, je ne peux pas témoigner. Tout s'est passé après. Mais vous pouvez témoigner de son état d'esprit et de son comportement quand vous étiez présent. Childers m'a sauvé la vie. Je suis sûr que tout deviendra limpide en visionnant la bande. Elle est loin d'être convaincante. Rogers l'a fait verser au dossier, mais... l'enregistrement est défectueux. Je vois. Vraiment? Si jamais Terry Childers n'est pas reconnu totalement responsable, les États-Unis le seront à sa place. Dans ce cas, essayez de deviner qui sera montré du doigt. Moi? Et qui d'autre? Vous étiez censé savoir que ça allait exploser. Dans le cas contraire, c'est que vous ne faisiez pas votre travail. En d'autres termes, votre conduite a été inexcusable. Voulez-vous être confronté à une enquête du Congrès à ce sujet? Et risquer votre carrière? Réfléchissez-y. Merci, Bill. Levez-vous. Asseyez-vous. Regardez attentivement cette photo. Pourquoi un commando surentraîné massacre-t-il une foule d'hommes, de femmes et d'enfants, tous désarmés, alors que l'ordre est simplement de protéger et, s'il s'avère nécessaire, d'évacuer notre ambassade? La réponse est qu'ils n'ont rien décidé. On leur a donné l'ordre d'ouvrir le feu, et cet ordre fut donné uniquement par un homme, le colonel Terry Childers, que vous allez devoir juger aujourd'hui. Un jour de tristesse. Un jour où l'Amérique doit assumer la responsabilité de ses échecs, de ses erreurs, comme celle de ses faits glorieux. Nous vous démontrerons que l'accusé ici présent, à travers son état d'esprit et ses actes, a ignoré les règles du combat. Et qu'il a largement outrepassé le champ précis de son autorité dans le but intentionnel d'ordonner le meurtre de 83 personnes innocentes. Je suis arrivé le dernier dans cette salle ce matin, j'étais en retard. J'étais en retard parce que j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes parce que j'ai vomi. J'ai vomi parce que je ne sais pas si je suis à la hauteur de la tâche. Je pense vraiment que le colonel Childers est innocent de ces accusations. J'ignore si j'ai les qualités qu'il faut pour lui gagner son procès, tout simplement parce que je ne suis pas à la hauteur du major Briggs,
qui est là. En tant qu'avocat, hein. Mais ça, on sait tous. Pourquoi ai-je dit oui à cet homme? J'ai décidé d'accepter parce que Terry Childers m'a dit que j'aurais exactement réagi comme lui si ce jour-là, j'avais été dans la même situation. J'ai accepté parce que je le connais, son honneur et la mesure de sa vie. Et il m'a dit qu'il a agi d'après sa conscience. Et j'espère ne pas le décevoir. Vous lui donnez l'ordre d'accomplir une mission très dure. Et quand ça tourne mal, et qu'il fait ce qu'il doit faire pour sauver ses Marines, et sauver la vie du personnel diplomatique, vous retournez la situation et vous le rendez responsable de ce désastre. Et vous voulez l'envoyer en prison peut-être pour le reste de sa vie. C'est injuste. Et sans fondement. C'est ça qui m'a rendu malade ce matin. Il y avait une foule très dense, un vacarme terrible. Le bruit était vraiment inquiétant. Mais la foule était paisible. Jusqu'à l'arrivée du colonel Childers qui m'a empêché de tout faire pour trouver une issue diplomatique. Le colonel Childers vous a-t-il contraint de quitter l'ambassade? Oui, il a fait irruption et... il a commencé à nous donner des ordres. Il m'a physiquement empêché de faire mon travail. Dans quel état d'esprit était-il à cet instant? Il était dans une colère folle. Il nous a manqué de respect à ma famille et à moi. C'est une belle connerie. C'était presque, comment dire, une rage meurtrière. Vous rappelez-vous ses propos? Il a dit quelque chose comme « la diplomatie à ce point-là, c'est une belle connerie ». Personne n'a le droit de se foutre du drapeau américain, ce sont ses mots. Merci, monsieur l'ambassadeur. Pas d'autres questions. Croyez-vous que... qu'une ambassade américaine sur un sol étranger soit un territoire souverain des États-Unis? D'un point de vue général, oui. Croyez-vous que les Américains aient le droit de défendre ce territoire s'il est attaqué? Si de fait il est attaqué. Attendiez-vous, de la part du colonel Childers, qu'il se rende à la foule qui attaquait ou qu'il la combatte? En fait, je n'espérais aucune de ces issues. Le colonel aurait dû me laisser parler à la foule. Ensuite, il aurait pu retirer ses Marines. Attendiez-vous de sa part qu'il cesse le feu tout en se repliant, malgré les pertes qu'il essuyait? Jusqu'à la limite du possible. Donc votre ordre aurait été, Marines, cessez le feu dans la limite du possible et dans la mesure de l'impossible, ouvrez le feu. Monsieur l'ambassadeur. Cette photo est la pièce à conviction, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra de surveillance. Est-elle fixée sur le toit de l'ambassade et pointée dans la direction où la foule s'était rassemblée? Il me semble que oui. Oui ou non? Oui. Fonctionne-t-elle 24 heures sur 24? Il me semble que oui. Oui ou non? Oui. Vous semble-t-il qu'il y a un système d'enregistrement lié à cette caméra? Votre honneur, colonel. Oui. Où est la cassette? Il est logique de croire que s'il y avait eu une ou plusieurs cassettes non endommagées, elles auraient été adressées au département d'État. Non endommagées? Oui. Il y a eu du vandalisme et des pillages après la tuerie. En quittant l'ambassade, avez-vous pris le drapeau américain avec vous? Vous rappelez-vous avoir pris le drapeau américain, monsieur? Naturellement, oui. Où est ce drapeau actuellement? Je l'ai rapporté chez moi et ensuite je l'ai adressé au service du ministre. Il devait être en lambeaux, à cause des tirs. Ceux des snipers, oui. Mm-hmm. Repos, mon garçon. Voyons lequel de votre équipe s'appelle Justin. Ne me dites rien, toi. Non. Bon, alors je recommence. Lequel je vais choisir? Toi. Et comment vous le savez? Vous êtes un Marines? Oui, général, j'en suis un. Entrez tout de suite, les enfants. Les sandwichs sont dans la cuisine. Madame Moy, navré de vous déranger, je suis le oui, colonel Hayes. Je sais Hayes. Qui vous êtes, colonel Hodges. C'est votre fils? Oui. Je souhaiterais vous parler. Je ne crois pas que ce soit opportun. Je ne pense pas que votre mari dise la vérité sur le comportement du colonel Childers, madame. Rentrez tout de suite. Allez, vos sandwichs sont sur la table. Oui, super. Vous devriez en parler à mon mari, vous ne croyez pas ?
colonel Childers a risqué sa vie de sorte que vous puissiez observer les enfants en train de s'amuser de vos fenêtres. Ça ne vous dérange pas? Je suis effondrée par ce qui arrive au colonel Childers. Pourriez-vous me dire s'il a maltraité votre famille ou s'il a empêché votre mari d'accomplir sa tâche, madame? Pouvez-vous me le confirmer? Non. Autant que j'ai pu le constater, cet homme a eu une conduite exemplaire. Pourriez-vous en témoigner? Mon époux est un homme bien. Ainsi que le colonel Childers. Vous me demandez en fait de tirer un trait sur un mariage qui a bientôt plus de 10 ans, comme ça en une heure. Votre mari, et vous, et votre fils, chacun de vous doit sa vie au colonel Terry Childers. Nous avons tous nos priorités, colonel. Je peux vous faire citer, madame. Par pitié, non, colonel. Ne m'y impliquez pas. Je suis un témoin infiniment trop crédible. Si vous voulez bien m'excuser. Vous ne diriez pas la vérité si vous étiez cité. J'ignore quelle est la vérité, colonel. Le colonel Childers s'est jugé pour ses actes à l'extérieur de l'ambassade. Je n'étais pas sur les lieux. Et vous, vous y étiez? Capitaine Lee, vous commandiez le groupe antiterroriste et vous étiez le deuxième officier sous les ordres du colonel Childers lors de la mission au Yémen. C'est exact. Vous étiez sur le toit de l'ambassade, exact? Tout à fait. Le colonel Childers vous a ordonné d'ouvrir le feu juste après que le sergent Richard Krasevich fut abattu, est-ce exact? Oui. Le sergent Krasevich n'a pas été tué par les manifestants, n'est-ce pas? Objection, comment peut-on connaître le point de départ de la balle qui a tué le sergent Krasevich? Accordé, maître, cessez d'influencer le témoin. Avez-vous, à un moment donné, essuyé des coups de feu en provenance de la manifestation elle-même? Capitaine? Je ne me souviens pas d'un coup de feu provenant de la manifestation. À ma connaissance, en tout cas. Vous vous êtes trompé de cible, n'est-ce pas, capitaine? Vous auriez dû ouvrir le feu sur les snipers qui se trouvaient en face, sur les immeubles, exact? Je regrette, je ne peux pas répondre. Objection, pure spéculation. Accordé. Vous avez tiré sur de pauvres gens qui manifestaient pacifiquement et qui n'utilisaient aucun engin meurtrier. Votre honneur, ça n'a rien d'une preuve. Accordé, major. Je ne me répéterai pas. Capitaine, quels furent les mots du colonel Childers quand il vous a ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants? Je ne me souviens plus de ces mots exacts. Il m'a ordonné d'ouvrir le feu. Lorsque vous avez obéi à l'ordre du colonel Childers d'ouvrir le feu, cet ordre vous a-t-il paru légal? Oui, colonel. Sinon, votre devoir était de lui désobéir, n'est-ce pas? Oui, colonel. Quand vos hommes ont ouvert le feu sur ces tireurs de la foule, est-ce que les snipers des immeubles qui étaient en face ont cessé de tirer? Absolument, il n'y avait plus aucun bruit. Il semble donc que les deux groupes travaillent ensemble, n'est-ce pas? Objection, la défense est en train de tirer une conclusion pour le témoin. Accordé. Est-ce que vous pouviez observer le colonel Childers après l'évacuation de l'ambassade? Oui, je le pouvais. Quelle est la dernière chose qu'il ait faite? Il est allé au pied du mât du drapeau. Que fit-il alors? Il a amené le drapeau américain. Était-il en personne en train d'essuyer un feu nourri à cet instant précis? Oui, colonel. Plus de questions. Capitaine, avant de recevoir l'ordre précis d'ouvrir le feu, quel était l'objet de votre attention concernant la sécurité de vos Marines? Le groupe de manifestants ou les snipers sur les immeubles en face? Je ne suis pas très sûr. Vous n'en êtes pas sûr? Eh bien, disons, enfin, je crois... Il ne s'agit pas de croire, je vous pose la question une nouvelle fois. Quel était l'objet de votre attention, le groupe des manifestants ou les snipers sur les immeubles en face? Je pense que je peux dire les snipers. Vous sentiez-vous en danger mortel en face de la foule dans son ensemble? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Non, monsieur. Laissez-moi vous aider. Étiez-vous plus inquiet d'être tué par cette foule ou par les snipers des immeubles? Je n'en sais rien, ce n'est pas à ça que je pensais. Avez-vous subi un feu nourri, vous monsieur? Vous n'avez pas vu la foule tirer. Mais vous avez essuyé les tirs des snipers, c'est exact. Oui. Notre dispensaire est assez proche de l'ambassade. Donc c'est moi, un des tout premiers, à être arrivé sur les lieux. Docteur, avez-vous trouvé des armes sur les cadavres? Non. Avez-vous retiré des armes aux gens que vous avez soignés? Non. Donc pas une seule arme parmi les victimes? Non, aucune arme. Docteur, d'après vous, est-ce que le Yémen est un terrain d'entraînement pour terroristes? En aucune façon. On s'est vu au Yémen. Vous m'avez demandé de faire le tour des lits pour que je témoigne des souffrances causées par les ordres du colonel Childers, vous vous rappelez? Oui.
J'ai trouvé une cassette audio sur le sol du dispensaire. C'est la pièce à conviction R. Vous vous rappelez? Oui. J'en ai trouvé une autre à l'intérieur de l'ambassade. En fait, j'en ai trouvé plusieurs. Toutes pièces à conviction R. Veuillez traduire ce qui est inscrit sur la cassette, je vous prie. Déclaration du djihad islamique contre les États-Unis. Ces cassettes sont utilisées dans un but de propagande religieuse et politique en raison du haut degré d'analphabétisme du Yémen. Confirmez-vous? Oui. Veuillez traduire les paroles que vous entendez sur cette cassette pour le tribunal, s'il vous plaît. Inna nunadi ila kulli muslimin yu'minu billah wa ya'malu fi jannatihi an yuti'a ma umira bih. Docteur Amar. Nous demandons à chaque musulman ayant une foi profonde en Dieu et qui espère être récompensé d'obéir aux ordres de Dieu. An yaqtul al-amrikin wa an yuhattima kulla ma yamlikuna anna ma wajadahum. Docteur Amar, les ordres de Dieu sont-ils précisés? Tuer les Américains et piller leurs biens, quels qu'ils soient, peu importe où ils se trouvent. Continuez, je vous prie. Tuer les Américains ainsi que leurs alliés, qu'ils soient civils ou militaires, est le devoir de chaque musulman qui est en mesure de le faire. Tuer les Américains est un devoir. Est-ce bien ce qui est dit? Oui. Pouvez-vous reconnaître la voix de l'orateur? Non. Docteur Amar, d'après vous, est-ce que cette propagande est à l'image de la manifestation dont on parle? Non. Je ne suis pas un membre de djihad islamique. La foule chantait. Je les entendais depuis mon dispensaire. Quelle fut votre réaction en apprenant que le colonel Childers avait été choisi pour mener cette mission? J'ai été extrêmement content. Le colonel a un dossier exemplaire. C'est un homme célèbre. Comment aviez-vous défini sa mission? Nous voulions accroître la sécurité, mais il est vrai que si la menace s'intensifiait, nous étions partisans d'une évacuation. Vous ne cherchiez donc pas un affrontement? C'est justement ce que nous voulions éviter à tout prix. Quelle fut votre réaction quand il s'est produit? Consterné. Hébété. Est-ce qu'on n'a pas minimisé le problème de l'ambassade dans vos services? Je peux vous garantir que non. Nous avons opéré selon les informations que nous avions. J'ai un rapport venant du département d'État sur le Yémen. Pièce à conviction M. Veuillez lire à la cour les parties soulignées, je vous prie. Oui, bien sûr. 25 janvier, grenade lancée contre un véhicule de police à Sanaa. Le 27 janvier, 16 touristes occidentaux kidnappés par un groupe fondamentaliste. Continuez, je vous prie. 6 février, explosion d'une bombe dans une voiture garée près de l'école. 20 février, une grenade paralysante jetée contre un kiosque jouxtant un commissariat de police. 21 mars, un officier militaire gravement blessé par le premier âne transformé en bombe. Les explosifs étaient dissimulés sous la selle. Merci. J'ai un autre document provenant du département d'État, daté du 17 novembre, envoyé par l'ambassadeur à vous. Veuillez le lire pour la cour, je vous prie. Cher Bill, nous devons à tout prix réviser notre précédente conversation concernant les mesures prises pour la sécurité de notre antenne au Yémen qui sont encore inadaptées. Il faut que vous sachiez que lorsqu'on Merci. A remis cette lettre... Maintenant, Y a-t-il des caméras fixées sur le toit de l'ambassade? Oui. Sont-elles destinées à enregistrer les activités sur la place publique à l'extérieur de l'ambassade? Oui. Où sont les bandes? Mais on sait tous que l'ambassade a été saccagée. Les caméras ont peut-être été détruites. Cette photo est la pièce à conviction D. Pour la cour, c'est une photo d'une caméra sur le toit de l'ambassade comme on le voit. Est-ce qu'elle vous semble endommagée? Non. Où sont les bandes? Je l'ignore. Ne croyez-vous pas
que pour les 30 années de service du colonel Childers, les États-Unis doivent très vite trouver ces cassettes pour les montrer à la cour. Objection, nous ne savons rien de ces prétendues bandes, c'est pure spéculation. Accordé. C'est un manifeste de navigation, pièce à conviction O. C'est la liste des éléments qui ont été emportés de l'ambassade pendant l'évacuation et embarqués vers le département d'État. Pouvez-vous lire la ligne 6, je vous prie? Bande vidéo provenant de la caméra de surveillance VHS 1. Trop débordé pour la regarder ou ça vous était égal? Objection, votre honneur. La défense harcèle le conseiller de la sécurité nationale. Accordé. Essayez d'être plus modéré dans vos questions. Où sont ces cassettes? Objection. Question déjà posée. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous ne trouvez pas amusant que la cassette qui peut innocenter mon client soit manquante? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Monsieur Sokal, dissimuler une preuve est un crime très sérieux. Objection! Accordé. Reformulez, maître. Dissimuler une preuve pour essayer de piéger un Marines des États-Unis est au moins aussi diabolique qu'accuser mon client de meurtre. Où sont ces colonel, bandes? J'ai rendu les pièces que j'avais en ma possession au Major Bix. Si ces bandes montraient un gentil groupe de manifestants pacifiques, nous pourrions les regarder maintenant. Objection, vous ne croyez pas? Votre honneur, ceci est un outrage majeur. Colonel, dernier avertissement. Il y avait un nouveau système de sécurité. Les caméras étaient pointées droit sur la foule. Les bandes enregistraient et ces bandes ont été adressées au département d'État. Pourquoi ne sont-elles pas là? Objection, votre honneur, je n'ai vu aucune de ces bandes. Je n'ai plus de questions. Il n'y a aucune bande montrant la foule utilisant des armes? Non, pas que je sache. Le gouvernement nous a remis toutes ses preuves. Naturellement. Le colonel Hodges s'est donné du mal pour vous lire tous les rapports de sécurité illustrant la violence au Yémen, n'est-ce pas? Absolument. Dernière édition du Washington Post. Voudriez-vous lire les titres que j'ai soulignés se rapportant à la vie dans Washington? Un kidnappeur asiatique abattu lors du sauvetage du fils d'un homme d'affaires. Une alerte à la bombe entraîne l'évacuation du musée d'histoire naturelle. Un policier poursuivant un chauffeur routier tire 38 fois. Un mari tue sa femme et se suicide dans la rue. Monsieur Sokal, est-ce que ces malheureux faits divers, choisis au hasard, justifient que nous lâchions le colonel Childers et ses troupes dans Washington, D.C.? Ne répondez pas à la question. Merci, monsieur Sokal. Présentez! Ah! Reposez! Ah! J'espère que vous savez comment le plier! Merci, colonel. Je n'oublierai pas ce geste. Fier de mes Marines. Ils ont fait preuve d'une grande discipline. Pourquoi n'avez-vous pas tiré sur les snipers des immeubles, au lieu de tirer sur la foule? Parce que j'ai pensé que le plus grand danger venait des manifestants. Ont-ils ouvert le feu sur vous? Oui. Outre les snipers, les manifestants devant l'ambassade tiraient également sur vous, c'est exact? Oui. Pourquoi êtes-vous le seul à avoir vu ces manifestants tirer? Parce que mes hommes s'étaient mis à couvert sur le toit, excepté le sergent Krasevich qui était à un poste d'observation. Et pour quelle raison n'est-il pas venu témoigner en votre faveur? Parce qu'il est mort au cours de l'engagement. Il est mort dans mes bras. Vous étiez donc le seul homme à pouvoir observer la foule? Oui. Où est-ce que vous avez combattu?
au Vietnam, à Beyrouth, à Panama et au Golfe Persique. Et quelle est la signification de ce ruban bleu et blanc sur votre uniforme? C'est la Navy Cross. Vous rappelez-vous de la citation qui accompagne cette médaille? Pour bravoure exceptionnelle face à un exceptionnel danger, témoignant ainsi de son immense mérite personnel dans le corps des Marines et de la Navy. Il est à vous. Colonel, vous avez tué plus de 80 personnes. Vous en avez blessé une centaine. Cela a-t-il pu être motivé par un désir de vengeance? Je ne faisais que protéger mes hommes. Le sergent Richard Krasevich a été tué à seulement quelques pas de vous, est-ce exact? Oui. Après que le sergent Krasevich fut tué, vous avez ordonné d'ouvrir le feu sur la foule, est-ce également exact? On tirait sur moi. Il y avait des gens armés dans cette foule. Vous ne tireriez pas sur un homme désarmé? Non. Même en plein combat, vous ne tireriez pas sur un homme désarmé? Non. Pièce à conviction F. Veuillez lire ce document au juré. Règles de combat régissant un conflit au sol en zone urbaine. Paragraphe 1. Si possible, en premier, mettre en garde l'ennemi et lui enjoindre de se rendre. Colonel, avez-vous mis en garde l'ennemi? Nous sommes arrivés en hélicoptère, nous attendions armés sur le toit de l'ambassade. L'avez-vous mis en garde, soit en tirant en l'air ou par le moyen d'un porte-voix, et lui avez-vous demandé de se rendre? Non. J'ai bien entendu non. La foule n'a pas été mise en garde. Oui. Non, elle n'a pas été mise en garde. Continuez, colonel. Vous semblez connaître le texte par cœur. Les frappes mortelles restent l'ultime recours. Continuez. Paragraphe 3. Si possible, trouvez un moyen de faire évacuer tous les civils avant de déclencher une attaque. L'avez-vous fait, colonel? Trouver un moyen d'évacuer d'innocents manifestants avant de les massacrer? Objection, question infamante, votre honneur. Reformulez, major. Suivant ce paragraphe 3, régissant clairement les règles de combat au sol en zone urbaine, avez-vous essayé d'évacuer les civils innocents? Non. Non. J'ai encore une question, colonel. Avez-vous dû répéter vos ordres au capitaine Lee? Pardon? Vous ordonnez au capitaine Lee de tirer sur des cibles hostiles et il vous indique qu'il y a des femmes et des enfants dans sa ligne de tir, est-ce exact? Il ne pouvait rien voir. Oui ou non, colonel? A-t-il tout de suite obéi à vos ordres? Je ne me rappelle pas. Le capitaine Lee, dans sa déposition, a dit qu'il a hésité et qu'il a mentionné les snipers de l'immeuble. Est-ce que son témoignage est exact? Je ne me rappelle pas. J'aimerais comprendre. Vous évacuez l'ambassadeur. Vous remontez sur le toit. Deux de vos Marines s'écroulent. Un troisième, le sergent Krasevich, décède. Vous donnez à votre capitaine un ordre qu'il ne suit pas, et de fait, il vous pose une question. Et vous lui dites... Quoi? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas ce que vous avez dit? On était au combat, on n'était pas en train de s'entraîner. Un moment après, vos hommes ont ouvert le feu, que leur avez-vous dit pour qu'ils le fassent? Je l'ignore. Vous avez sûrement dit quelque chose, puisque le capitaine a fait volte-face. Qu'avez-vous dit? J'ignore les mots exacts que j'ai employés. Je vais vous aider. Votre honneur. Vous avez dit « balayez-moi ces pourritures, colonel ». Non, non, non. Vous niez l'avoir dit? Mais tout ça s'est passé si vite! Vous êtes sous serment, colonel. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Pièce à conviction Q. C'est l'enregistrement fait à bord du USS Wake Island de toutes les communications radio de ce jour-là, contenant vos paroles exactes. Votre honneur, je souhaiterais passer cette bande. Alors si c'est sur la bande, c'est bien ce que j'ai dit! Ces types tuaient mes Marines! Alors ouais, je l'ai dit! Balayez-moi ces pourritures! Ce sont eux les pourritures? Objection. Rejeté. Oui! Eux aussi? Objection. Oui! Elles aussi? Objection. Rejeté. Oui! Ce sont eux les pourritures que vous avez ordonné de balayer? Votre honneur. Major. Oui. Votre honneur. La foule devant l'ambassade était sans armes, exact, colonel? Objection, on n'a pas retrouvé non plus les armes des snipers. Si, ils avaient des armes. Vous croyez qu'il existe un mode d'emploi pour faire la guerre sans jamais envoyer chez quelqu'un, en obéissant aux règles sans que personne ne soit blessé? Oui, des innocents sont vraisemblablement tués. Ils en meurent souvent quand on fait la guerre. Mais là, en aucun cas, je n'ai outrepassé les ordres. Il y a des règles que les Marines ont juré de respecter. Je n'allais pas attendre tranquillement qu'un autre Marine s'y reste, juste histoire de respecter ce foutu règlement à la con. Colonel!
Je demande une suspension d'audience. Major. Le gouvernement en a fini avec le colonel Childers, votre honneur. Parfait, colonel. La séance est suspendue. On va terminer le dossier, Simpson. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Je ne m'en souvenais pas, sinon évidemment je te l'aurais dit. Balayez-moi ces pourritures chapeau, là. Pour toi, c'est sans importance. Et toi, l'enregistrement, t'étais pas au courant? Normalement, t'es censé... J'ai eu une semaine pour préparer ton dossier et je n'ai pas réalisé quel foutu abruti je défendais. Et bah maintenant, tu le sais. Oh, bon Dieu. Ça va nous démolir tous les deux. Ah ouais? Parce que toi aussi, tu vas passer le reste de ta vie en prison? Excuse-moi. Complètement tout foiré. Ça, tu peux le dire. La prochaine étape, c'est quoi? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Votre honneur, l'État appelle le colonel Binley Cao comme témoin à charge. Objection, votre honneur, quels sont les motifs permettant son audition? Messieurs, approchez si vous le voulez bien. Qui est ce colonel Binley Cao? C'est un colonel vietnamien qui a affronté le colonel Childers à la bataille de Kalu, et ce qu'il a à dire réfute entièrement la déposition faite par le colonel Childers. Quand cette bataille a-t-elle eu lieu? En 1968. C'est un problème de conduite dont il n'est pas accusé. Le cité n'est pas autorisé par la loi militaire. Qui vous dit que ce témoin chargera votre client? Eh bien, je pense Il le sait parce qu'il se trouvait à la bataille de Kalu. Est-ce exact? Oui, colonel. Sur quel motif faites-vous citer ce témoin? Le colonel Hodges se base sur l'expérience au combat du colonel Childers pour bâtir une partie de sa défense. Et de plus, le colonel Childers affirme qu'il ne tire jamais sur quelqu'un qui n'est pas armé. Mon témoin a un point de vue important à ce sujet. Je permets son audition. Jurez-vous ou affirmez-vous que la preuve que vous allez apporter au procès qui se tient aujourd'hui sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Veuillez, je vous prie, décliner votre identité. Je m'appelle Binley Cao. En 1968, vous étiez colonel dans l'armée nord-vietnamienne, régiment B-3, impliqué dans un combat contre les marines américains à Kalu, dans la province de Quan Tri. Oui, c'est vrai. Veuillez parler au juré de cet affrontement. On nous avait averti qu'une petite unité d'Américains se trouvait tout près de ma compagnie. Nous nous étions retrouvés derrière vos lignes. Ce qui était heureux pour nous, car nous étions moins nombreux. Reconnaissez-vous cet homme? Oui. Vous a-t-il fait prisonnier, vous et votre radio, ce jour-là? Oui. Vous a-t-il retiré vos armes et placé sous bonne garde? Oui. Vous êtes-vous alors considéré comme prisonnier de guerre? Oui. A-t-il exécuté votre radio? Oui. L'avez-vous vu tirer lui-même sur un prisonnier de guerre? Oui. Où a-t-il tiré? Dans la tête. Merci. Pas d'autres questions. Vos hommes étaient-ils en train d'anéantir cette patrouille de Marines? Oui. Le colonel Childers vous a-t-il imposé de rappeler vos hommes? Oui. Pensez-vous que ces actes n'avaient qu'un seul et unique but, sauver des marines américains? Oui. Auriez-vous fait la même chose que le colonel Childers si la situation avait été inversée? Colonel Cao, auriez-vous tiré dans la tête d'un opérateur radio américain prisonnier si vous aviez pensé contraindre ainsi le colonel Childers à épargner la vie de vos hommes? Oui. Je n'ai plus de questions. L'audience est suspendue jusqu'à demain matin, 9h. Nous entendrons les plaidoiries. Enchanté de vous revoir. Ça fait très longtemps, dites-moi. Puis-je vous présenter mon petit-fils? Le colonel Binley Cao, les jurés.
Ravi de vous rencontrer, Général. Entendu. Merci. Oui. Le colonel Childers est un héros de guerre décoré. Un chef de corps de Marines respecté. Et j'aimerais n'avoir rien d'autre à ajouter. Malheureusement, il y a 83 morts, des citoyens yéménites, et en partie des femmes et des enfants. Le colonel Hodges aurait aimé vous convaincre que la foule était armée. Il aurait également aimé vous faire croire qu'il y avait une certaine bande, prouvant que l'argument était juste. Mais il n'y a aucune bande innocentant le colonel Childers. Il n'y a aucune preuve innocentant le colonel Childers. Le colonel Childers est-il un homme capable de tuer des gens sans défense et non armés? Est-il capable d'ordonner l'exécution d'hommes et de femmes innocents? Est-il capable d'exécuter un prisonnier de guerre de sa propre main? Nous avons malheureusement vu que c'était le cas. Vous avez entendu le triste témoignage du colonel Kao, relatant, puisqu'il l'a vu, la barbarie du colonel Childers. Vous avez même entendu le colonel Childers reconnaître lui-même que son désir était en fait de les balayer sans se demander qui étaient ces gens. Alors, nous sommes confrontés à la difficile perspective de condamner l'un des nôtres. Et personne n'en a vraiment envie. Mais vous avez entendu les faits, et c'est une conclusion inévitable. Le colonel Terry Childers a ordonné la tuerie insensée d'une foule paisible et innocente. Mais en tant que Marines, nous ne nous permettons pas le luxe de couvrir nos fautes. Nous devons les rendre publiques, afin d'être certains qu'elles ne se répéteront pas. Merci. C'est un territoire souverain des États-Unis, exactement comme s'il s'agissait de l'Ohio ou du Maryland. Le colonel Childers n'est pas volontaire pour se rendre là-bas. On lui a ordonné d'y partir parce qu'il était le meilleur pour cette mission. On l'a armé, on l'a préparé, il a subi un entraînement et on l'a envoyé là-bas risquer sa vie pour sauver des Américains. Et on lui demande de ne pas riposter au tir. Il y a plus de 300 impacts de balles sur la façade. Le colonel Childers n'a pas ouvert le feu, il a riposté au tir. Et il a attendu que trois de ses marines soient morts et qu'un autre soit mortellement blessé. Il a patienté jusqu'à se retrouver lui-même sous un feu nourri. Il a patienté jusqu'à ce qu'il voit la foule sortir des armes. C'est seulement là qu'il a ordonné à ses hommes de répondre au tir. Selon les règles du combat, un civil pointant une arme n'est plus un civil. Et le recours à une frappe mortelle est autorisé dans le but de sauver d'autres vies. Ça n'est pas un meurtre. C'est le combat. Le colonel Childers était le seul encore en vie à pouvoir observer la foule. Mais la caméra de l'ambassade avait exactement le même point de vue. Le gouvernement aimerait vous faire croire qu'il n'y avait pas de bande vidéo liée à cette caméra. Je vous ai démontré que cette bande fut donnée au département d'État. Pensez-vous que cette bande ait pris la décision de s'enfuir du département d'État toute seule? En refusant de présenter cette bande, le conseiller de sécurité nationale, M. Sokal, a déshonoré la cour. Sans cette bande, vous ne verrez pas que la foule a tiré en premier et que le colonel Childers est innocent. Mais il est vrai que sans cette bande, on ne peut pas prouver, sans qu'on puisse avoir le moindre doute, que c'est un assassin et donc qu'il est coupable. Voilà ma défense. Il est mon seul argument. 32 ans de service, 32 ans d'héroïsme comme Marines des États-Unis d'Amérique et quel que soit votre verdict, la carrière de Marines du colonel Childers est terminée. Il ne mènera plus jamais d'homme au combat. Si l'ambassadeur et sa famille sont encore en vie, c'est grâce à lui. Et je sais ce que ressent l'ambassadeur, parce que le colonel Childers m'a également sauvé la vie. Si je suis vivant, c'est uniquement grâce à lui. Mon fils est assis dans ce tribunal grâce à lui. Je suis vivant aujourd'hui et j'ai un fils, grâce à l'héroïsme du colonel Childers. Exigez de cet homme qu'il risque sa vie pour son pays. Exigez de cet homme qu'il voit ses Marines mourir dans ses bras. Et dire que c'est un meurtre quand cet homme ne fait que se défendre. Dire que c'est un meurtre quand il ne fait que répondre au feu nourri de l'ennemi. Dire que c'est un meurtre alors qu'en fait, il sauve la vie d'Américains, et cela dans les plus extrêmes circonstances, ça. Mes compagnons Marines, ça revient à le trahir. C'est pire que de l'abandonner blessé sur un champ de bataille. C'est une chose qu'on ne fait pas quand on est Marines des États-Unis d'Amérique.
Et je prie le ciel que vous ne le fassiez pas non plus ici. Super. Ouais. Ouais. Tu as été impressionnant. Merci beaucoup. Je peux te dire que je suis sincèrement heureux de ne pas être juré aujourd'hui. Tu leur as vraiment mis la pression. Excusez-moi. J'ai dit que je ne voulais pas qu'on me dérange. Excusez-moi, monsieur Sokal, c'est très important. Qu'ils viennent. Pouvons-nous continuer cet après-midi, messieurs ? Oui, monsieur. Fermez la porte. Qu'y a-t-il, colonel ? Peu importe l'avenir du colonel Childers demain. Je n'abandonnerai pas cette affaire avant de découvrir ce qui est devenu cette bande vidéo. Bien. Je la trouverai, d'après vous ? Non. J'en étais sûr. Bien, alors nous n'avons plus rien à nous dire, je pense, colonel. Vous n'avez jamais eu un Marines en colère au cul ? Serait-ce une menace ? Et comment, monsieur ? Levez-vous. Le jury a-t-il délibéré ? Oui, votre honneur. Colonel Terry Childers, la cour martiale a délibéré de la façon suivante. À l'accusation de trouble à l'ordre public, la cour déclare l'accusé coupable. À l'accusation de conduite indigne de la part d'un officier, la cour déclare l'accusé non coupable. À l'accusation de meurtre, la cour déclare l'accusé non coupable. Cette cour martiale est levée. La sentence et son exécution seront déterminées ultérieurement. Merci. Je sais très bien qu'à ce genre de pêche, je vaux pas un clou. Colonel! Vous réalisez qu'avec le témoignage du colonel Kao, nous pourrions l'inculper pour l'incident de Kalou. Après 30 ans, vous auriez peut-être du mal à trouver des témoins. Je pensais que vous accepteriez peut-être de témoigner. Je vous propose un marché. Si vous acceptez de me dire maintenant quelle était l'espérance de vie d'un sous-lieutenant lâché dans une zone de combat intense au Vietnam en 68, alors je vous dis tout ce que je me rappelle sur Kalou. Une semaine ? Négatif. 16 minutes. Ouais. Juste 16 putains de minutes. C'est tout ce que je me rappelle.